Derrière la porte, tout de suite à droite, une station d'affûtage. En dessous, la lamelleuse Triton. Et divers électroportatifs, ponceuses vibrantes, rabots et goïnes. À côté, une petite perceuse d'établi, la grosse est dans la partie métal. À gauche, un congélateur de secours avec au-dessus quelques conserves, des conserves maison. Le barbecue que j'ai rentré pour l'hiver. Les trognons de bois récupérés en déchetterie, sans doute. Pour le tournage, on devrait faire quelque chose de pas mal. Mon petit bac à chute. Mon aspirateur à copeaux. Mon ruban avec une table de scie circulaire en dessous, le stature d'une bonne pierre en cours de réalisation. La porte, elle est adossée à un établi. Ici, ma combinée Kitty, avec laquelle j'ai réalisé toute la restauration de ma maison, ainsi que ses meubles. Kitty, le mouse costaud. La déco. Ici. Tous les accessoires de toupie et des fonceuses. La toupie. Ma scie radiale Kitty,
avec l'expiration en dessous. Ma défonceuse Bosch installée sous table. Un lapidaire et une ponceuse à bande stationnaire. La scie à chantonner Delta, le tout monté sur chariot à roulettes. Derrière divers vitrines pour expo. Ici quelques plateaux en normes. Mon stock de quincaillerie. Un peu d'électro portatif encore, un plan de travail, mon compresseur pour le cloueur. Là, on va aller vers le coin du tour. Armoire avec tous mes accessoires de tour, station d'affûtage, forêt, les outils de tour et toujours les bouches pour les bouches.